Mais il est encore là, lui. Il a pas pris encore sa démission, lui. Salut, Nicolas. Salut, Nicolas. Salut, Nicolas. Alors, du coup, je vais lancer la caméra. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Monsieur Belay. Jonathan, j'ai 26 ans. Laval Séverine. Je m'appelle Sébastien Fourche. Je m'appelle Frédéric Maréchal. Je m'appelle Adeline Chauvet. David Bardin, j'ai 30 ans. Laurent Chastanet. Allez, vous pouvez y aller si vous voulez, les gars. On va en route, tenez. Attrapez le sac à Mickaël, là, s'il vous plaît. Théo, tu redescends les échafaudages et vous avez qu'à les démonter. Mon travail, c'est espace vert, c'est je fais de la tente, de la taille. Et des fois, l'hiver, on fait du bois coupé, comme vous l'avez vu à toi, coupé, broyer les branches, tout ça. J'aime bien être dehors. J'aime bien, c'est surtout mon métier. Et je prends cœur d'être dehors, dans la nature, voir d'autres choses quand on fait. Être au contact du client, ce qui est bien. Le qui compte le plus, c'est le repassage. J'adore le repassage, j'adore repasser. On travaille, on s'amuse, on rigole. Mais bon, voilà, on est en plein boulot. Des fois, on n'a pas de boulot, on fait autre chose, on fait la couture, on s'occupe, voilà. J'arrive bien à le faire avec ta main droite, appuyée là. Puis les clients, ils sont très sympas et tout. Ils parlent bien avec nous et tout. Bon, ils me connaissent, alors moi, voilà. Allez les filles! Allez, viens là! Allez, viens là! Allez, mes mères! Oh, mes mères! Viens là! C'est le tour, viens là! C'est un métier qui demande à être prudent sur toute chose. Bouger un troupeau, attacher du matériel. Viens là, Fifi, viens là! Notre travail, c'est de les soigner, de les voir grandir, de les voir évoluer. On y passe du temps. Après, c'est un choix de vie, c'est une passion, c'est une vocation. De base, je voulais pas. J'ai pas eu cette chance-là de faire des études pour aller au milieu normal, entre guillemets. Mais c'est que j'ai pas eu le choix. Moi, les gars, je les vois comme des collègues, je les vois pas comme un handicap. On a tous notre handicap, moi le premier, hein. Mais non. C'est des collègues, c'est des copains, c'est des amis, c'est pour certains, c'est des confidents, parce que il y a eu des moments où j'étais personnellement, j'étais pas bien et ils ont été là, donc perso, l'handicap, je m'en fous. Je l'ai, donc je sais ce que c'est. Ça fait 30 ans que je vis avec, donc l'handicap, il peut avoir un léger handicap, comme il peut avoir un long handicap, je m'en fous. J'ai des amis qui sont handicapés, donc je sais ce que c'est. Hein, donc c'est pas ce qui m'effraie. J'en ai pas peur. Les AT, c'est un milieu un peu protégé. C'est du travail adapté. Un atelier d'aide par le travail ? Pour les personnes qui ont un peu des difficultés, et après peut-être pour les lancer dans le milieu ordinaire plus tard, pour ceux qui ont des capacités un peu différentes. Donc si on a vraiment des choses qu'on ne comprend pas ou des choses qu'on n'arrive pas à faire, on peut demander au chef qui nous explique ou qui nous montre comment on peut travailler le plus facilement possible, et puis après ça se fait tout seul après. Mm-hmm.
ça vous apporte en fait le fait de travailler? Bah, avoir un salaire. Bah, être heureux. Tout simplement. Et alors, pourquoi être heureux? Bah, c'est bien de travailler, ça permet d'avoir un salaire, d'avoir du monde autour. Ouais, je vois comme ça. J'aime mieux travailler, j'aime bien bouger, moi. Parce que j'aime pas rester sur place. Même quand je travaille pas, j'aime bien bouger. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, quand vous avez intégré les pattes? Ça m'a fait tout bizarre, ça m'a fait tout drôle. Quand j'ai vu le foyer et tout, quand je suis rentrée, j'ai cru que, je sais pas, ça m'a fait tout bizarre. Puis j'ai mûri, j'ai grandi dans ma tête, voilà. Quand tu vieillis, après, voilà, ça change. Quand je suis trop avec d'autres personnes, j'ai l'impression que tout le monde me regarde et qu'ils me jugent. Là, on n'est pas beaucoup ici, donc ça va. Puis on se connaît tous, même ceux qui sont en atelier, dans notre atelier, je les connais. J'ai construit mon cocon ici, enfin, on va dire que j'ai mes habitudes donc, et je connais tout le monde. Donc c'est la peur de ne pas connaître les autres enfin, qui me bloque et d'être jugée. Le fait d'intégrer les ZAD, pour moi, j'avais pas vraiment peur de découvrir des choses. Après, chercher un ZAD dans lequel le métier de la ferme était et que je puisse continuer à expérimenter mes compétences. Et puis, vu que là, on n'est pas nombreux vraiment à la ferme, donc pour moi, c'était quelque chose où est-ce qu'on avançait et qu'on restait pas bloqué sur quelque chose pendant des jours et que ça avançait pas. Faut que je sois au contact, c'est dommage de le dire, mais au contact des vaches, parce que c'est là où je suis mieux et c'est là où je suis bien. On les voit naître, on les voit évoluer, on les voit grandir, on les voit venir génisse pour celles qu'on garde, et on les voit venir maman, donc on y passe énormément de temps et de l'énergie, donc... Et est-ce que l'ambiance, avoir une bonne ambiance de travail, ça compte beaucoup aussi dans votre vie? Oui. Moi, mais depuis qu'ils sont là, les derniers, ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis même, ça apporte beaucoup de choses. On plaisante beaucoup, hein. Donc ça fait aussi, tu te sens bien dedans, tu te sens bien dans tes baskets, que quand tu es tout seul, tu fais ton boulot et puis là, tu calcules pas. Beaucoup de choses et même des fois trop de choses, donc... Bon, il y a des fois, il y a un peu d'accrochage avec les collègues. Après, une fois que c'est passé, une fois, on revient toujours l'un vers l'autre pour s'excuser et repartir sur le bon pied. Franchement, il n'a pas voulu le dire tout à l'heure, mais mine de rien, il m'a apporté beaucoup de calme, donc... Et voilà, c'est un gars que... Je veux pas le dire comme si c'était mon petit frère, mais presque, quoi, donc... On rigole, on déconne. Après, quand c'est le travail, c'est le travail. Mais je préfère travailler dans un cadre où on est bien,
que dans un cadre où on est moins bien et qu'on s'ennuie, quoi. Si, il y a des mauvais côtés avec des fois les copains et les copines, des fois ça va pas. Des fois je craque et j'en peux plus au foyer, quoi. C'est pour ça que moi je veux changer. Je veux changer, ça fait 31 ans que j'y suis. J'ai envie de changer parce que des fois j'en ai marre, je veux pas rester. J'ai voulu réfléchir et tout, et là j'ai bien réfléchi. Et là je fais tout pour faire des stages et tout, pour partir d'ici. Et du coup, vous avez expérimenté le milieu ordinaire ? Oui, j'avais fait un stage il y a plus de temps, l'année dernière, pour voir là où j'en étais de mes capacités. Au début, c'était un peu dur parce que c'était un peu, ici, c'est léger. C'est, dans l'entreprise privée, c'est un peu plus costaud quand même. Tu te dis, au début, ça bouge. Et après, c'est qu'un fil de s'intégrer. Moi, je me sens capable d'y aller, moi. Moi, je trouve qu'il y a plus d'entraide ici qu'à l'extérieur. Enfin, je dis pas tous les boulots mais, ou toutes les personnes, mais je trouve que c'est chacun pour soi. Enfin, chacun fait son boulot, chacun sait ce qu'il doit faire. Enfin, je trouve pas qu'il s'aide vraiment. Vous avez des projets, du coup, pour la retraite ? Ben, je voudrais partir chez ma sœur. Et vous n'avez pas peur aussi de quitter tout ce que vous avez construit ici pendant 35 ans ? Non, ça va. Bon, enfin, un peu, mais bon, après, j'aurai ma famille à côté de moi, alors bon, ça va. Ben, mon rêve, ce serait de pouvoir franchir cette peur d'avoir plus confiance et de pouvoir aller en ordinaire peut-être un jour. D'être normal, pas normal, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas normaux, mais je veux dire qu'ils sont, de pouvoir dire « je peux le faire ». Oui, c'est mon premier boulot et ça fait 5 ans que je suis là. Et bon, ça, certes, ça m'énerve, il faudrait bien changer. Là, j'ai fait deux demandes de stage en ménage au foyer là-bas et, ou sinon faire en espace vert aussi. J'ai besoin de découvrir autre chose parce que, comme j'ai dit, je suis jeune, je voudrais bien voir autre chose. Enfin, ça va me lasser à force de rester ici. Enfin, mais bon, après, pour le moment, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'être ici parce que je connais les gens et ça me fait un peu peur la nouveauté aussi, enfin, pour le moment. Peut-être quand j'aurai plus mûri, j'aurai moins peur. Passer mon permis remorque et après peut-être passer mon permis de moto et mon poids lourd. Peut-être me faire construire ou acheter une maison à Sarnac. Et du coup, j'ai pas envie de bouger, je suis bien ici. Surtout avec mon, maintenant, comme je prends l'âge, alors j'ai pas envie de bouger. J'ai envie de me poser un peu ici. Moi, mon rêve, ça serait de montrer à sa famille, de montrer à ma famille c'est quoi l'agriculture, et puis de leur transmettre ça quand ils sont petits. Mais bon, est-ce qu'un jour ça se fera ? Peut-être, on n'en sait rien. Bah, si j'ai le choix de reprendre l'exploitation de mon grand-père, ça sera avec grand plaisir. Mais après, si je dois passer ma vie ici, moi, après, il y a... Oui. Après, moi, du moment que je travaille en agriculture et que j'ai toujours mon métier entre les mains, après, moi, c'est rien de plus, hein. Et dans l'idéal, pour vous, ce serait de sortir complètement de l'ESAT ou... De sortir un peu de l'ESAT, ouais. D'ici, du foyer. Mais un peu ou... Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, tout à fait. Peut-être, je sais pas, vivre en dehors, peut-être, je sais pas. Faire autre chose, voir d'autres personnes qu'on connaît pas et tout. Qu'on fasse connaissance et tout, qu'on discute avec eux. Vous voulez pas rester vivre à Sarnac? Non, pas toute l'éternité, non. Ah non, non. Ah non, non. Projet, ouais. Déjà, de plus être dans le foyer et d'être en dehors. Après, rester là pour l'instant. Après, je sais très bien que mes parents vont vieillir et qu'ils ont besoin de moi plus tard. Donc, ce qui veut dire partir. Sur le long terme, pour l'instant, ça,
Ça fait envie parce que sinon je serais pas là. Ben, partager avec ceux qui sont là, avec ceux d'extérieurs, avec ceux qui pourraient venir et leur transmettre ce qu'on sait faire et leur dire ben, qu'il n'y a pas que dans le milieu normal qu'il y a du travail et que aussi bien dans le milieu handicapé qu'il y a du boulot et qu'après on verra ce que l'avenir me réserve. Déjà, si ça peut m'amener jusqu'à ma retraite, ça m'ira très très bien. Le projet, c'est que je vais essayer de quitter les ZAP pour aller travailler en milieu ordinaire. C'est parce que je me sens presque plus chez moi, en fait. Parce que j'ai tellement appris bien des choses que j'aimerais voir autre chose dans la vie. Tu vois pas les mêmes personnes, t'as pas la même façon de travailler, t'es avec moins de personnes. C'est vrai, ouais, c'est différent. C'est pour ça que j'ai envie de voir un autre avenir, quoi.